le street dance. C'est un style de danse qui est arrivé, on va dire, dans les années 90, 2000, surtout, c'est après développé beaucoup en fait par la suite. Et en fait, c'est un style qui est jazz funk, hip-hop, c'est un peu tout ça qui est mélangé. Donc ça rejoint un peu du moderne, tous ces styles de danse en fait, qui vont créer le street dance à la fin. Bah, du coup, donc, comme je disais avant, dans les années 90, tout ça, ça arrivait beaucoup donc, dans les rues, dans les boîtes de nuit, etc. C'est un style qui s'est beaucoup développé, qui s'est développé après aussi dans les clips vidéo, donc les clips musicaux qu'on peut trouver aujourd'hui, que ce soit sur YouTube, n'importe où, et les clips de Beyoncé. J'ai commencé, j'avais, si je me trompe pas, 12 ans et demi, 13 ans, à peu près, donc ça fait 10 ans. Ça date déjà un peu. Mon plus beau souvenir, je dirais que c'est les applaudissements des gens. C'est vraiment, c'est ça qui donne tout, en fait, qui donne l'énergie, qui donne l'adrénaline. Et c'est en fait le plus beau cadeau qu'un danseur puisse recevoir, en fait, après une prestation. Mon souvenir le plus drôle, alors. C'est, on va dire, sur scène, il arrive de temps en temps des petites choses, comme par exemple des chutes ou quoi, qui peuvent être sur le coup pas très drôles, mais souvent même les personnes qui sont concernées en rigolent beaucoup à la fin, et des fois on fait même des bêtisiers autour de ça, donc ça c'est drôle. Et aussi souvent, par exemple, si on va danser avec une veste en jean, des fois ça arrive qu'on déchire les vestes en jean, donc en jean, on est le jean à un moment qui se trouve pendant la danse, donc c'est le petit moment un peu embarrassant, mais qui est assez drôle en fait à la fin. Alors, c'est plutôt lui qui m'a choisi que moi qui l'ai choisi, je dirais. En fait, j'ai commencé là-dedans, enfin dans ce style. Et en fait, j'ai tout de suite accroché. Et j'ai plus jamais voulu, en fait, me décrocher de ce style-là. Donc, je me suis dit, bah, en fait, c'est ce qui est fait pour moi.